Bonjour, bienvenue à la journée de la marmotte à Val-d'Espoir en Gaspésie. Oui, monsieur, on peut être fier de notre journée de la marmotte. Puis, là, c'est la marmotte du Québec, hein? Maintenant, je demanderai un 5 secondes de silence pour Willow. Willow, c'est la marmotte de Winnipeg, puis elle vient de décéder. Elle ne pourra pas faire sa prédiction cette année. C'est malheureux, qu'est-ce que vous voulez? Là, Fred, là, il va falloir le réveiller. Parce que là, Fred, il a dormi, là, il dormait, là. Ça fait que là, ce qu'on va faire, là, on va taper des mains, on va crier « Fred, Fred, Fred » trois fois. Êtes-vous prêts? Oui. On y va! Fred, 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 Fred. Bon, on commence à se réchauffer. Puis moi, on va commencer à le réveiller, là. Le cadran va sonner pour Fred, là. Maintenant, là... Là, il y a des jeunes qui vont monter sur scène et qui vont venir danser. Maintenant, on accueille Simon-Pierre Larouche au chœur et Félix au chœur qui vont chanter, qui vont danser sur la musique de Fred, composée par M. Louis Le Boutillier. Oh, nos danseurs sont arrivés. Ça, là, ici aujourd'hui, il y a les élèves des écoles Bon Pasteur de Sainte-Thérèse, l'Assomption de Val-d'Espoir, ainsi que ceux de Cap-d'Espoir. Qui danseront et chanteront à la chanson thème de Fred, composée par M. Louis Le Boutillier. La musique? Est-ce qu'on a notre musique? Qu'est-ce qui est en charge de musique? La musique? On y va pour la musique de Fred? Hey, on y va! Et toi, si Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps. Hey, on les encourage, on y va, on tape des mains, on est capable! Hey, c'est des champions! Mon frère, tu n'es pas décidé. J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année, il me prédira le jour où le printemps viendra. Mais vous en, les enfants, on embarque. On avance un petit peu encore. On monte les pancartes. On y va, on frappe des mains, on danse pas, faut les encourager, là. Hey, on y va. Pour nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon frère, tu devras décider. J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred va bien. Le jour où le printemps viendra. Et à Val-d'Espoir cet hiver nous fêterons quand Fred sortira de sa maison. Bon, félicitations, félicitations. Hey, ils sont bons. Avec des marmottes de même, là, on est en affaire. Pas de problème avec ça. Maintenant, là, Fred va entrer sur scène. Avec les danseurs de même, puis la musique de même, j'espère que Fred y est réveillé, là. Est-ce qu'il est, Fred, là? Notre Fred s'en vient. Oh, oh. C'est un moment magique. Fred, 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 Fred. Fred, 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 Fred. Bon, Fred s'en vient. OK. On va le mettre sur son plateau d'estal.
Maintenant, on va remercier nos partenaires médiatiques. OK. Vous allez... OK. OK, on va remercier maintenant nos partenaires médiatiques, parce que sinon, on n'aurait pas d'événement aujourd'hui. Ça nous prend des finances. Radio Bleu FM, Cieux FM, Radio Gaspésie, Télévision communautaire de Grande-Rivière, qui filme et diffuse les images en direct. Maintenant, on a des bienfaiteurs. Uniprix Santé, Laurent Carbonneau-Lebeau, Frédéric Pinel, Persey et Chandler. On devrait... On va le... OK, on va le... OK. La bière Pit Caribou, Mongé Ford, caisse populaire du littoral gaspésien. Les représentants du député provincial, M. Gaétan Lelièvre, ça va être Richard Adams qui va la remplacer. OK. Okay. Parfait. Le représentant du député de Bonaventure, Sylvain Roy, M. Sylvain Lantin. C'est Hugues Lantin? Okay. C'est M. Hugues Lantin. Il y a une erreur, c'est pas plus grave. Il m'a dit ça avec le sourire. Le représentant des députés de fédéral de Mme Diane Leboutillier, c'est M. Jérôme Lavoie. M. Jérôme Lavoie. Est-ce que M. Jérôme Lavoie est ici? Il est à Ottawa. Là. Diane est à Ottawa. Ah, ouais. Ça se peut-tu? Maintenant, on va remercier les bénévoles de Fred. Non. Remerciements des bénévoles de Fred. Madame Réjeanne Aucoin, Chantal Baudry, Marie-Paul Baudry, Lucien Blondin, Monique Bourgette, Jean-Marc Bourgette, Paulette Bourgette, Suzanne Bourgette, Antonio Cloutier, Valmont Cloutier, Luc Collin, Fernand Lapierre, Michel Lelièvre. Michel Lelièvre, là, c'est le monsieur qui s'occupe de la sécurité depuis 2000 ans. Jonathan Nadeau, Bianca Rail, Nancy Rail, Mireille Roussy, Sylvain Roussy, Majela Warren, Sébastien Warren, Gloria Shaw. Gloria, là, c'est elle qui est en charge des commanditaires. Puis c'est elle qui s'occupe de faire les beaux macarons que vous avez, là. Ça, c'est Gloria qui s'occupe de ça. Maintenant, je demanderai au président du Carnaval de Val-d'Espoir de monter sur scène, M. Régent Méthode, président du 51e Carnaval et le bonhomme Carnaval. On applaudit? Réginal, c'est M. Réginal. OK, c'est pas son. Okay. On demandait à la reine de monter aussi sur scène. On a M. Réginal, ça c'est la reine du carnaval, puis M. Bonhomme. OK. Montez sur scène, on les applaudit, les amis. Parfait, ça. On les applaudit. C'est le 51e carnaval, là. C'est un carnaval, ça fait un bon bout, là. Un des premiers. Maintenant, je voudrais inviter les bienfaiteurs à dire un mot. Non, c'est pas tout de suite. Ça suit. OK. On va commencer avec les bienfaiteurs. Uniprix Santé de Percé. OK. Monsieur Laurent Carbonneau-Lebeau à venir dire un mot. Monsieur Carbonneau. OK.
Donc, bonjour à tous. Mon collègue aussi, je ne sais pas s'il est parmi nous, mais il y a Fred, pas la marmotte, mais Fred le pharmacien, Frédéric. Et donc, il est associé avec moi. Donc, ça me fait plaisir d'être, de se joindre à ce bel événement-là. Donc, vive, longue vie à la marmotte. Merci. D'un nom bienfaiteur, on a la bière Pied de Caribou aussi. Je pense pas qu'il y a quelqu'un de la bière Pied de Caribou qui est ici aujourd'hui. Maintenant, pour la caisse populaire du littoral gaspésien, je demanderai à M. Joël Berthelot de venir dire un mot. M. Berthelot. Merci Rémi. Bon, ben, ils m'ont pris de court, ils m'avaient dit qu'il n'y avait pas de prise de parole, Linda. Hey, ça nous fait plaisir, toute l'équipe de Desjardins, littoral gaspésien, d'être là depuis le début de la marmotte. On a cru au projet dès le début et on est fiers d'appuyer cette belle activité. Et je trouve ça le fun de voir tout ce beau monde-là ici, regroupé, malgré que c'est un petit peu plus froid qu'hier, mais on est bien quand même. Puis en espérant que la marmotte, Fred, ne se trompera pas, qui nous dit un printemps hâtif, en tout cas moi je le souhaite. Puis je pense que tout le monde aussi. Parce qu'on se sentait comme dans le printemps hier. Fait que, bonne continuité à Fred, puis bon 51e carnaval également. Puis je vous souhaite une belle journée. Puis on se croise les doigts pour un printemps hâtif pour tous les pêcheurs. Salut! Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup, Joël. Maintenant, pour Montgéfort, est-ce qu'il y a quelqu'un de Montgéfort ici aujourd'hui? Frank? OK, il est là. Ah, tabarnou, je vais le voir. On demanderait à M. Frank Mongé de venir... dire un petit mot. Bonjour. Le petit mot de la part de Mongé, c'est que des fois, il faut rêver, il faut avoir des belles idées. On a supporté Roberto dans son idée d'avoir la marmotte. Depuis une bonne journée, Roberto m'a appelé, dit on aimerait avoir un permis. Alors, on est allé chercher un permis, mais on était les seuls au Québec, donc Roberto, tu avais une très bonne idée. Félicitations. Merci à tous. Maintenant, je demanderai à M. le curé Serge Tidiani de monter sur scène et le curé Hervé. OK, bon. Si vous voulez dire un petit mot, M. le curé, on vous attend justement. Bonjour. Inquiétez-vous pas, ça ne va pas être aussi long que l'homélie. Alors, je suis très heureux de pouvoir être ici et comme... Rémi l'a dit, je suis avec le curé de Carleton qui est venu participer à la journée de la marmotte avec nous. Je reviendrai tout simplement vous dire merci à vous qui êtes là et qui permettez que devant cette église de Val d'Espoir, on puisse avoir la journée de la marmotte. Merci aux enfants, merci à tous les adultes, à tous nos commanditaires, toutes les personnes qui ont travaillé pour que aujourd'hui, Val d'Espoir rassemble le Québec. Parce qu'on peut avoir une fierté, nous, ici à Val d'Espoir, la seule marmotte du Québec. Elle va parler d'ici. D'ici chez nous, à Val d'Espoir. Bravo et félicitations. Et le monde entier, à travers Internet et à travers la télévision communautaire, nous écoute. Et j'en profite pour dire à tout le monde qui nous écoute d'ailleurs, ça fait bon vivre en Gaspésie, c'est merveilleux à Val d'Espoir. Et l'année prochaine, venez nous voir de partout. Fred sera là et va nous prédire de bons moments, des moments de fraternité, des moments de joie et nous serons heureux de pouvoir vivre ensemble une réelle fraternité. Merci à vous. Bonne journée de la marmotte et que chaque jour, Val d'Espoir continue de rayonner dans le monde entier. Merci. Merci beaucoup, M. le curé. Maintenant, j'inviterai M. Majella Warren, conseiller de Val d'Espoir, à venir dire un petit mot. Bonjour ce matin. Puis... Oui, j'en dirai pas autant peut-être qu'on fait le curé, mais je vous souhaite terriblement une belle journée de marmotte. Puis j'espère que Fred va vous dire la bonne chose. Merci tout le monde.
Merci, M. Warren. Maintenant, on demande d'accueillir M. le maire de Percé, préfet de la MRC du Rocher Percé, M. André Boudreau, qui va vous dire, un petit mot. Une bonne pointe d'applaudissements pour notre maire. Merci. Bienvenue, les marmottes de Val-d'Espoir. En tout cas, Val-d'Espoir, lâchez pas, vous êtes très sympathiques, vous mettez de l'énergie, lâchez pas, faites ça chaque année. Je voudrais, pour Mme Leboutillier, que je remplace cette année, on peut l'applaudir, qui est devenue ministre au fédéral. J'aimerais en même temps, puis je l'ai vu passer un peu partout, on a une petite pensée pour Georges, qui était très impliqué au niveau de la marmotte. Alors, tous ceux qui sont amis, et c'est un souvenir à garder. J'aimerais aussi vous inviter M. le curé à venir me remplacer de temps en temps à l'hôtel de ville pendant les soirées publiques. Ça changerait, puis pour être mon substitut dans les soirées publiques à la ville, ça serait bon. Alors, la marmotte, c'est à Val-d'Espoir, la seule place au Québec. Bravo, Roberto, avec toute ton équipe. C'est de l'énergie travailler sur des projets comme ça, puis je vous souhaite du succès pendant bien des années. Merci tout le monde. Merci beaucoup, M. le maire. Maintenant, je voudrais inviter M. le représentant du député provincial de la Gaspésie, Gaétan Lelièvre, M. Richard Adams. M. Richard Adams, une bonne main d'applaudissement. Une bonne main d'applaudissement pour M. Richard Adams. Alors, bon matin tout le monde. Tout d'abord, je voudrais vous transmettre les salutations de Gaétan, qui malheureusement ne peut pas être ici ce matin. J'aimerais féliciter le comité organisateur, bien sûr Roberto, pour la belle initiative, puis surtout ce matin, de voir le gros groupe, le beau groupe d'enfants qui est présent pour l'événement. Je vous souhaite une bonne journée, puis j'espère que la marmotte va nous annoncer le printemps à partir de matin. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup, M. Adams. Bon, on va continuer avec le représentant du député de Bonaventure, Sylvain Leroy. Ça va être Sylvain Lantin. Hugues Lantin. Hugues Lantin. Hey, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici ce matin pour représenter M. Sylvain Roy, député de Bonaventure, qui vous salue tout en passant. Et c'est une belle initiative unique en Gaspésie qui sera transmise partout au Québec pour démontrer que nous sommes solidaires. Il faut être solidaire à ce genre d'activité. Parce qu'en Gaspésie, on a besoin d'appui. Puis c'est de cette façon qu'on monte au reste du Québec. Et je crois aussi un petit peu partout, peut-être à travers du monde, que les Gaspésiens, quand ils veulent, ils sont capables. C'est un message qu'on envoie. Puis bonne journée, bon matin à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, M. Lantin. Maintenant, je voudrais le représentant des députés fédérales de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, Mme Diane Leboutillier. Ça serait Jérôme Lavoie. Jérôme Lavoie. Il n'est pas ici? Bon, OK. Maintenant, on demanderait au représentant. On demanderait à monter sur scène les organisateurs du comité de la marmotte. M. Lucien Blondin. Lucien Blondin, là, c'est lui qui s'occupe de nourrir la marmotte durant toute l'année. Madame Muriel Shaw. Muriel Shaw, c'est elle qui s'occupe des jeunes. C'est elle qui soutient Roberto. Madame France Casey. Madame France Casey, là, qui est avec nous autres depuis plusieurs années. Une madame qui part de la baie des Chaleurs pour venir avec nous autres aujourd'hui. Puis, une madame qui part de Montréal. Madame Renée Laurando, qui est justement ici. C'est elle, Mme Laurando. C'est elle qui gère tous les médias. On la remercie grandement. Maintenant, on demanderait à M. Roberto Blondin, le fondateur de la marmotte, de venir nous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Bonjour tout le monde! Cette année, c'est la 7e année. La 7e année qu'on a établi une tradition en Gaspésie, et vous en faites partie parce que vous êtes là à chaque année. Vous perpétuez la tradition, puis un gros merci. Puis mon petit discours va être bien simple. Ça va être juste des merci. Juste des merci parce que je tiens à
premièrement, à vous remercier d'être là. Deuxièmement, là, j'aimerais remercier tous les bénévoles. Ils ont tout nommé, mais c'est important de les remercier. Parce que quand vous donnez un coup de main à quelqu'un, là, puis qu'il vous regarde dans les yeux, puis il vous dit merci là, parce que j'avais besoin de toi, là, ben t'es content hein, qu'il t'a dit merci. Parce que c'est important quand t'as besoin du monde qui sont là pour t'appuyer, puis leur donner une bonne main, puis dire merci, j'avais besoin de toi. Puis. Vous savez, pendant ces temps, il s'est passé plein de choses. Premièrement, il a fait froid les 6 premières années. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ben, il y a du monde qui sont greffés à nous. Puis ça, c'est très important. Il y a du monde qui ont donné le coup d'épaule. Il y a mes bienfaiteurs, je les remercierai jamais assez. Parce que sans eux, là, il n'y en aurait pas d'événement. Parce que ce n'est pas un événement à but lucratif. On ne fait pas d'argent avec ça. Sauf qu'ils sont là pour nous appuyer, pour nous diffuser, pour être les bienfaiteurs de Fred. T'as Laurent Lebeau-Carbonneau. T'as la Caisse populaire. J'ai les noms encore parce que c'est très important. T'as Pete Caribou. T'as Jean-Louis Monger. T'as les députés à chaque année qui m'appuient. Écoutez, on a vraiment besoin d'être ça. Puis encore un gros merci. Ça fait 6 fois que je dis merci. Il y a une 7e fois. Attendez, je vais trouver c'est quoi. Puis j'aimerais remercier Fred parce qu'il est encore vivant, ça fait 7 ans. Écoutez, je vais vous expliquer que ça comment ça marche comme à chaque année. Le soleil se lève au-dessus des montagnes. Vous le voyez. Je vais sortir Fred. Vous allez voir bien son ombre. Puis c'est là que Fred va prendre sa décision. C'est un moment historique. Et tout le monde nous regarde grâce à la télé communautaire de Grande-Rivière qui diffuse partout, mais partout au Québec et partout en Amérique du Nord. On a des endroits comme en Floride où on envoie la diffusion, en Pennsylvanie où ce que Phil est là. C'est vraiment merveilleux. On commence la cérémonie. Bon, c'est sérieux. Roberto a sorti son tournevis. La bonne vieille méthode. Une minute de silence. Fred est sorti. Hey. Fred, qu'est-ce que Fred va dire comme prédiction? Qu'est-ce qu'il dit, Fred? Roberto l'écoute. Roberto l'écoute. Peut-être qu'ils n'aimeront pas ça, là. Hein? Il y a quelque chose qui se passe avec Fred. Il est sûr. Monsieur le maire dit qu'il vient de l'entendre. Bon, Fred vient de dire la prédiction. Je veux être sûr et certain. Roberto nous dit que Fred est certain. Monsieur le maire, écoute. On dit salut à Fred. Alors, mesdames et messieurs,
La prédiction de Fred cette année, le printemps sera tardif. Désespérez pas pour ceux qui ont acheté des motoneiges. Ainsi, hein, l'hiver n'est pas fini, là. On pense que c'est le printemps, mais des fois, les animaux, ils sentent des choses que nous autres, on ne sent pas. Demain, ils annoncent une tempête. C'est peut-être parti pour un printemps vraiment tardif. En tout cas, si Fred, là, il a raison, on va l'aimer. Puis si Fred a tort, on va encore plus l'aimer. Ça fait qu'en dedans, il y a de la nourriture. Amusez-vous, dansez, ayez du fun. Fêtez l'hiver, n'est pas fini. Merci. OK, maintenant, là. OK. Excusez. Attendez une minute, j'aimerais... j'ai pas fini. Vraiment pas fini, puis c'est peut-être parce que j'ai dit trop de merci, mais j'aimerais remercier deux personnes qui étaient importantes pour moi, très importantes, parce que pendant ces 7 ans, il y a eu des personnes qui m'ont épaulé, puis malheureusement, sont décédées. Le premier, c'est mon oncle Robert Warren, qui a participé avec moi, qui a cru au tout début, qui a gardé la marmotte, et puis il est mort, ça fait quelques années. Et le deuxième, que c'est un grand ami, c'est Georges Bomelonnet qui est mort cette année, en 2015. Puis j'aimerais porter une attention particulière parce que, écoutez, ces personnes-là ont cru au tout début, avant que j'ai fait quelque chose au tout début, à partir du début de l'idée. Puis j'aimerais avoir une petite pensée, que tout le monde ait une petite pensée pour Robert Warren et Georges Bomelonnet, parce qu'ils n'ont fait beaucoup, beaucoup. Parce que s'il y a une marmotte ici présentement aujourd'hui, puis qu'elle nous représente la Gaspésie, et puis le Québec, c'est grâce à ces deux personnes-là. Georges, merci. Robert, merci. Mais... OK, là, on demanderait aux dignitaires de quitter la scène, s'il vous plaît. Parce que les élèves vont embarquer sur la scène. Parce qu'il est hors. On va avoir encore de la danse. Puis, est-ce que Fred s'en vient? Parce que là, on va voir Fred, la mascotte du Québec, qui va monter sur scène et qui va danser avec les enfants. On me dit que Fred, la mascotte, s'en vient. On demanderait aux dignitaires de quitter la salle, la scène, s'il vous plaît. Les enfants vont monter sur scène, puis ils vont danser avec Fred. Oh! Je vois arriver Fred. Fred, il donne des becs en s'en venant. Faut croire qu'il est fier de son affaire. Il monte de reculons. Comment est-ce qu'il est bon? Et on applaudit Fred, la marmotte du Québec, notre mascotte nationale. Maintenant, je voudrais remercier tous ceux qui se sont déplacés pour la journée de Fred la marmotte officielle du Québec 2016. Maintenant, oui, Fred me serre dans ses bras. Qu'est-ce qui se passe, Fred? Tu sais pas? Avance-toi un petit peu. Avec les enfants, on va demander de la musique. On va danser encore sur la journée, sur le thème. La musique de monsieur... Louis Le Boutillier. OK, on demande la musique. Et c'est parti! C'est la musique de monsieur Louis Le Boutillier. On y va! Mmh.
On les applaudit, on y va, ils sont capables. Et voici près de nous, Gloria, cette année, pour nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon frère, tu devras décider. J'ai attendu toute l'année le 2 février, en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année, il me prédira le jour où le printemps viendra. Ah, la question qu'on se pose cette année, est-ce que le printemps sera très tôt ou est-ce que le printemps sera très tard? Hey, hey, voici le printemps qui nous revient cette année. Voici que Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon frère, tu devras décider. J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année il me prédira le jour où le printemps viendra. Et à Val d'Espoir cet hiver nous fêterons quand Fred sortira de sa maison. Bon, ça va bien. Bon. Allez, merci beaucoup, Fred la Marmotte. On est bien contents de te voir. Maintenant, il y a d'autres à l'intérieur, là, il y a du maquillage pour les enfants. Il y a des crêpes, il y a du café chaud, la musique avec M. Jean-Luc Bugeaud. Donc, merci beaucoup. C'était Rémi Cloutier pour la Marmotte du Québec 2016. Merci. À l'année prochaine, les amis.